Quoique techniquement, je m'en fous. J'appellerai mes copains et puis voilà quoi. Parce que dans mes copains, ils font quoi? De l'assassin, des émeutes. Ah. Je pourrais juste envoyer mes gars en fait. Ça leur ferait de l'XP quoi. Et il est pas mort. Ah bah voilà. Mais vous êtes qui vous? Je vous parle pas vous. Non mais. On va aller à l'imprimerie. On va aller réduire notre. Oui, je suis beaucoup recherché, je le sais. Pas obligé de me le dire trois fois. Hein, quoique, pas besoin de soudoyer si j'arrache trois affiches. Plus que deux. Ok, je suis déjà moins recherché. Plus qu'une? Oui. Bah non mais ils veulent jouer, on va jouer. Tiens, dernière affiche. Non mais enlève l'affiche. Voilà, hop. Moi je suis plus recherché. Enfin, ils m'ont vu, mais voilà quoi. Ah oui, trop lent, il a dit. Ok. Merci. Je sais pas si c'était à moi ou au garde qui disait bravo, continuez. Mais voilà. Je dis merci quand même. Ouah, évitez de trop suivre la route. Voilà. C'est bon. Il a dit que ça regarde pas les civils. Vous avez réussi la marche. Rentrez chez vous. Vous êtes un grand héros. Ouais. Ah, attendez, deux secondes.
Voilà. Ouais, non, mais... On me demandait un papier. Non, mais pourquoi je fais ça, moi? Ça y est, je sais plus où j'en suis, moi, dans le jeu. Attendez. Là, voilà. Ah, un document comme ça, hop, je suis plus recherché. C'est long? J'aurais dû prendre un cheval en fait, je suis en train de me dire. Ouais, non? Un cheval, j'aurais dû prendre la TP. Oh, ok. Bonjour monsieur. Bienvenue dans l'armée du roi. Ok. Les soldats les plus respectés, redoutés et vénérés en ce bas monde. Certains d'entre vous sont là par choix, d'autres non. Quelles qu'aient été les circonstances de votre arrivée, vous êtes désormais tous frères. Et votre seule chance de survie, c'est de compter sur vos frères. Ok. Sur le champ de bataille, un maillon faible peut causer la mort de toute une escouade. Réfléchissez-y. Ok. C'est l'un des responsables. Il recrute les jeunes à la force du poignet, puis les charge sur des bateaux. Il faut qu'on y mette fin. Quel est ton plan? Une flèche dans la tête. Le tuer, puis tuer ses hommes, et libérer les enfants. Ton plan est bon, mais pas assez précis. Sais-tu te servir de ton fusil? Je touche la tête d'un mulot à 300 mètres 9 fois sur 10. La dixième, c'est que le coup n'est pas parti. Ça devrait suffire. Couvre-moi de là-haut. Ok. Il est où lui? Le but, c'est le tuer, le chef. Vous allez monter sur ce bateau pour suivre un entraînement, c'est compris? Vous n'avez pas été choisi pour vos talents, pour vos prouesses au combat, mais pour votre manière de penser. Vous découvrirez. C'était simple. Les assassins veulent la paix par la liberté. Les Templiers, eux, ne cherchent que le pouvoir. Eh bien, je suis pour la liberté, je l'ai toujours été. Si tu as besoin d'un bon fusil, compte sur moi. Ah, yes! Clé du coffre de Botston Sud. Ah, nouveau trophée dans le manoir. Ok. Attends, il y a eu quoi d'autre? Nouveau trophée dans le manoir. De l'argent. Tireur d'élite. Ah! On peut avoir des snipers maintenant. Enfin, snipers. Après. Ah oui, ok. Une nouvelle recrue, ok. District contact recruté, ok. Notoriété, ok. Vous êtes incognito, ok. Et le dernier truc, c'est quoi? Ok, rien d'intéressant. C'est quoi ça? Contrat libération. Qu'est-ce que c'est que ça? Contrat libération. Pardon, monsieur, dame.
Vu que c'est un petit symbole, je pense qu'il faut parler à quelqu'un, en fait. C'est pas un truc... Ouais. Je pense que c'était juste... c'est un gars qui va nous parler, ça va faire apparaître des points, et puis voilà, quoi. Enfin, je suppose. Tu ne bois pas ? Non, sœur. Je dois rester sobre au cas où vous auriez besoin de mon arme. Je ne supporte pas l'alcool. Ok. Il y a quelques années, j'ai bu une demi-flasque de rhum avec mes frères. Je me suis mis tout nu et j'ai fini dans un tas de crottins. Ah. Malade comme un chien. Je Désolé. Ne vais pas reproduire l'expérience. Merci bien. Je respecte ton choix, au vu de ton expérience. J'aimerais bien combattre comme vous un jour. Tu as toutes les qualités pour devenir un grand assassin. Ok. Ça me touche beaucoup venant de vous. Hmm. Ok. Non, non. Réfléchis. Alors. Je regarde. Je regarde. Il semblerait qu'il n'y ait plus de mission de. Je dois assassiner des gens, quoi. Est-ce que je peux passer au magasin? Ok. Juste voir si je peux pas acheter des trucs ou s'il n'y a pas des nouvelles fournitures à acheter, quoi. Même si j'ai pas forcément l'argent, il y a moyen de... Ok, magasin général, il est là. Alors, échanger. Enfin, échanger. Non, pas échanger, mais... Acheter, t'as quoi ? Alors, armes. Ok, j'ai toutes les armes. J'ai toutes les trucs. Il me semble que j'avais déjà tout acheté. Ouais, j'ai acheté des flèches, quoi. Mince. Cartouche, non. Dague à corde. Je m'en sers pas souvent, des dagues à corde. Les fléchettes empoisonnées... Ouais, des collets. Des mines. Ah ouais, en fait, il y a rien de plus, quoi. Livre de compte. Ah. Ok. Il y a des trucs que je comprends pas bien le concept, hein. J'ai pas compris le principe, mais bon, voilà, je l'ai fait, quoi. J'ai pas bien compris le concept des convois, en fait. Donc, j'avais eu la clé du coffre. Je sais pas quoi.
du fort. J'ai pas bien saisi, c'est quoi la clé du fort, du coffre, je sais pas quoi. Inventaire. Ok, ça c'est tout ce que j'ai eu. Ouais, bah c'est bon. Je sais pas. Il paraît qu'ils ont décidé de renvoyer trois navires avec leur cargaison. Jour. On attend le signal. Ah. Quel signal? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre, et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non? Je sais pas pourquoi, je le sens pas, son truc. Bon sang, d'autres gardes. Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Ninja. Ok. Je vais peut-être prendre un gun.
Et voilà. Ninja. Enfin, ninja. Ah, j'aurais pu utiliser la population, ouais. Ça sent le piège, moi, je dis. Couler le bateau en même temps. Des soldats. T'inquiète. Tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire. Bah, on bute tout le monde. C'est plutôt simple en fait, comme mission. Ok. J'ai pas un moyen de les pousser. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Il y a pas moyen de leur foutre un coup de jeté. Il reste quoi à faire? Attends. Assassiner avec un mousquet. C'est bon? Non. Ok. On s'en fout. Hey, go les gars, go. Paul, c'est l'autre Paul. Faut que je sauve Paul. J'appelle les gars.
Book. Nous avons réussi. Moi et moyen. Quoi? Connor. On t'a gardé la dernière. Cool. Il a l'air en colère, hein. Il vaut mieux ne pas traîner, hein. Ouais, vaut mieux, ouais. Ça s'est calmé d'un coup, quand même. Non, c'était pas ça, c'était mon ma hache. Mais elle est où, ma hache? Qu'est-ce que j'ai branlé de ma hache? Je l'ai jeté dans quelqu'un ou quoi? Ma hache. Non. Bah merde, ma hache. Si j'ai foutu de ma hache. Non.